adolescente en mal de vivre. Attirée par la vie, attirée par le vide, adolescente en mal de vivre. Adolescente en mal de vivre, attirée par le vide. Malheureuse en amour, chaque mec qu'elle rencontre lui tape le vide. Mal à l'aise face à son reflet dans le miroir. Pour elle la vie est triste, elle songe à partir avant la fin de l'histoire. Écorchée vive, 16 piges, le cœur balafré. Un cas sur lequel les psychologues se prennent pas la tête. La tristesse pour force de caractère. Un cauchemar incessant lui fait croire que cette vie n'est pas la sienne. Alors elle se laisse aller. Clope, cacheton et coupe fin. Parce que sa vie met la santé dans ce bled ne coûte rien. Prisonnière du poids de ses peurs. Les conflits parentaux dont elle est témoin ne lui laisse pas le temps de placer un mot sans repère. Victime du mépris de son beau-père, le silence de sa mère lui fera un jour franchir la fenêtre après réflexion. Elle décide de faire sa valise, livrée à elle-même dans l'obscurité de la nuit. Adolescente en mal de vie, adolescente en mal de vie, animée par la tristesse et la mélancolie. Attirée par le vide, attirée par le vide, comment guérir les blessures, les cicatrices. Adolescente en mal de vie, adolescente en mal de vie, animée par la tristesse et la mélancolie. Attirée par le vide, attirée par le vide, comment guérir les blessures, les cicatrices. Désormais seule avec son sac de sport, confrontée à son sort. Quelques euros au fond de la poche, c'est pas le grand confort. Se dire qu'elle a tourné une page, la réconforte. Dégoûtée de comment tous les adultes se comportent. Elle découvre un paysage inconnu, celui de la rue. Les démons de minuit ne sont que des anges déchus. Assise dans un square, un jeune homme vient l'aborder. Lui offrant une clope en guise d'hospitalité. Lui aussi frappé par la cruauté de la vie. Orphelin dès son plus jeune âge, le regard avide. Un climat de confiance et la discussion s'élargit. Les problèmes sont les mêmes, que l'on soit pauvre ou riche. C'est sur des malheurs que cette relation s'établit. Il la convainc petit à petit de ne plus faillir. Faut-il souffrir pour enfin s'épanouir, en espérant qu'elle ne regrette pas de s'être confiée à lui. Adolescente en mal de vie, adolescente en mal de vie, animée par la tristesse et la mélancolie. Attirée par le vide, attirée par le vide, comment guérir les blessures, les cicatrices. Adolescente en mal de vie, adolescente en mal de vie, animée par la tristesse et la mélancolie. Attirée par le vide, attirée par le vide, comment guérir les blessures, les cicatrices. Les esprits libres ont besoin d'amour pour trouver l'équilibre. Le cap de l'adolescence est pénible, surtout quand l'adulte est sourd. Aucun problème ne se résout dans les quartiers chic ou en bas des tours. À vivre comme des fugitifs, l'aventure devient plaisante. L'important c'est de pouvoir vivre à fond l'instant présent. Mais comme toute histoire, celle-ci a une fin. Un beau matin, une perquisition dans l'appart du jeune homme en vain. Un avis de recherche fut déposé par les parents de la petite. Une brise d'enfer après le paradis. De retour au domicile familial, la mésentente fait que celle-ci sera convoquée devant la juge des enfants. Le verdict, un placement en foyer à 500 bornes de sa ville, qui la priverait de l'homme de sa vie. Adolescente en mal de vivre, attirée par le vide, car les adultes ne l'ont toujours